أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله aujourd'hui nous va parler un petit peu concernant ben les leçons qui nous tirait dans la vie Ka'b bin Malik. Donc, ça veut dire une chapane qui, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu prends l'homme, tu sautis, tu n'as au moins une dizaine de sahaba qui, je tiens à la santé, je tiens à moyens financiers, je tiens à tout ben moyen nécessaire pour je sautis, je fais jihad avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il te donne un commandement, ça veut dire que tu fais du aïn, ça veut dire que tu es nécessaire au Ghana pour. Je suis sorti avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour aller à la guerre. Mais seulement, nous disons qu'il tient à 7, environ 7 sahaba, en 7 à 9, moins ce qu'ils disent, il y en a même qui disent 5, qui sont attachés dans Masjid Nabawi avec Ben Istiwana, qui expliquait qu'il était Ben Istiwana. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il détache. Après ça, après ça, quelques, c'est-à-dire moins ce qu'ils disent ça, nous tient à environ 7 qui sont. Tiens, environ 3, wa thalathatul ladina khulifu. Ça, 3 qui zut, zut pas fin, ni à ta zut, mais c'est après qu'ils ont fini get Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-dedans, tiens, kaab. Et là-dedans, il y a même les types plus jeunes, et nous disons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit venir, il finit get Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il présente ce excuse, il veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas aucune excuse valable pour lui présenter, mais seulement. Le pas finalé qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit pendant 50 jours personne ne pas cause avec lui, ça veut dire qu'il appelle un social boycott. Et le 40 jours là-dedans, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam filme même l'autre à Zubban madame pour qu'il personne pas, ça veut dire qu'il reste avec Zubban madame et surtout Kab. Et nous dit après ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'in pardonne. Donc dans ça, long hadith, nous raconte ça hadith dans Bukhari, que l'imam Bukhari finit mentionné. Donc là, ils vont nous comprendre. Nous avons quelques belles leçons qui nous ont. Donc, première affaire, c'est qu'il cap sur l'histoire. Nous, il y a une histoire qui est bien connue. Ça, il y a dans l'île islam. Et ce, l'histoire est rapportée par première personne. Ça veut dire, cap lui-même, il rapporte sur l'histoire lui-même. Et quel avantage qu'il nous a quand un sahaba il rapporte sur l'histoire lui-même, c'est qu'il Kab qui vient sentir pendant ces 50 jours là comment il s'était à l'intérieur. Ça nous expliquait ce matin quand il disait le fin senti qui va dire les mondes fin raccourcis net et à l'intérieur de lui ici il sentit qui va dire les petits ça en deuxième quand un sahaba il pourra raconter sur ben sur la vie personnelle ça c'est tout il dit qu'il a rapport avec cela par exemple quand tu causes concernant Christ le Ifk Aisha radhiyallahu anha il rapportait lui va dire à l'intérieur qu'il fin passé comment il fin ressenti dans ce l'équerre. Ça veut dire là, nous pouvons gagner une information qui est sortie depuis sa sahaba là, sur la bouche. Donc, l'histoire qu'Abdul Malik est rapportée dans le livre Tafsir, ça veut dire qu'on peut apprendre sur la Tauba et la Wahi qui finit descendre concernant lui directement avec sa délire de sahaba qui n'a pas aller là, sans haine. Nous allons aller dans sa Tafsir Coran, nous pouvons aller sur l'histoire mentionnée dans le Hadith Rasoul Sassam, ça veut dire dans le Hadith Bukhari, Muslim et aussi même les autres collecteurs. Hadith qui fait mentionné et aussi nous avons qui fait mentionner ça dans ben livre Sirah qu'on nous peut en prendre et là nous voudrons que ce imam Bukhari lui il fait classifier lui comme parmi ben il fait mettre lui dans Ghazwa Tabuk mais tandis que imam Muslim lui il fait mettre lui dans Taubatu Ka'b bin Malik chacun c'est à dire chaque muhadith quand vous avez fait un rapport de ce hadith-là. Là, le mot de la beauté hadith, beauté extrait à l'histoire-là, c'est que, comme un mot hadith, chacun peut être dans différentes langues de l'histoire. C'est-à-dire, Imam Bukhari, il fait mettre quand il fait un rapport concernant le Ghazwa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre en bas, titre Ghazwa Tabuk, parce que c'est Ghazwa qui cap, pas fin aller. Maintenant, Imam Muslim, lui, il fait mettre Tauba. Parce qu'il fait, parce qu'après, Ka'b ibn Malik, il fait faire Tauba pour.
envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dans les mots de nous, c'est-à-dire qu'on s'en a un mukbin qualifié erreur. Il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sincèrement, il regrette et il prend décision pour ne pas faire dire encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il est afur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Donc, ça, l'histoire-là, il est bizarre être raconté. Hein. Deuxième, c'est qui, le temps nous bouguette, nous prenons par exemple nos belles enfants. Nous vous trouvons qui, fait qu'on a déjà un petit enfant, qui mène des histoires qui nous racontent belles enfants, bien à l'école qui racontent belles enfants. Nous ne connaissons pas Saperon Rouge, Cendrillon, Blanche-Neige, Mille et une nuits. Maintenant, quand nous faisons qu'on a déjà sorti mon ami, quand il peut nous l'histoire. Ben là, concernant même Kafir, si nous posons par exemple des histoires belles musulmans, des histoires belles arabes, nous posons ben là, on va dire qui d'histoire que je connais. Peut-être je vous dis Ali Baba 40 volets, une fausse histoire encore. Ça veut dire que les présents musulmans, ben arabes, comment dire, ben volets, ou bien Simbad, le marin. Maintenant, nous avons les autres choses encore, comment c'est pas Leila Majnoun, soit un enfant qui vient un peu plus grand, n'est-ce pas Roméo et Juliette, un enfant qui compte, c'est pas Superman, Spiderman, etc. Donc, ça ben des histoires, les mots, c'est ben des histoires qui, un dimoun, imaginé, c'est ben imagination, ben dimoun, qui concocté, qui inventé, qui nous pina aucune vertu alors. Mais tandis, quand nous pétons ça, le bout de l'histoire dans la vie, Kab bin Malik, ça extrait de l'histoire là. Qui était ça? L'imoroen, ça extrait dans l'imène, c'est un curriculum, c'est un syllabus, c'est un l'école islamique, c'est-à-dire une école pour nous ben jeunes, qui soit dans Madrasa, d'un niveau de la formation pour ben collégiens, ou bien même dans l'université. Quand dans ça, petite histoire qu'il finit en prenant, c'est nous avons beaucoup ben moralité, ben manière islamique, ben leçon, ben vertu, ben éthique qui est un li disposé tiré depuis ben moral qui est là dans sa l'histoire là qui est supposé tirer. Donc ça c'est une leçon qui nous supposé en prendre et obligatoire, ça veut dire le ben professeur l'école, ben professeur madrasa, le ben parent, le ben administrateur de l'école qui je mets ça comment dire dans syllabus pour éduquer ben les enfants. Ça veut dire un enfant, c'est une histoire qu'il est supposé connaître. Parce qu'il y a beaucoup de moralité là-dedans. Donc ça, connaît. Deuxième, qui est la moralité qu'il y a là-dedans? Premier, c'est Sadr Kab bin Malik. Ça veut dire les tiens sahaba qui les véridiquent, qui croient dans la vérité. Quand Rasoul Sassan est retourné, nous venons dire, première affaire, c'est Kab fin gagne toute qualité ou aswas. Waswas, ça veut dire Shaitan pour venir. Quand un dimoun vient faire erreur, souvent, il pourra toute qualité, qu'on dit même prétexte. Il est capable, ouvert, ça, quelque chose qu'il fait même, d'une façon, il est capable, cause, mentir. Maintenant, ça est une leçon qu'il nous va prendre dans la vie. Kab bin Malik est dans le rapport, il réalise que si il cause mentir, ça, il peut aider, comment dire, temporairement. Mais seulement, il vous donne une sécurité temporairement, mais premier affaire, il vous garantit sur Akhira, sur le delà. Ça veut dire un musulman tous les temps qui l'idée de sa final outcome là. L'idée sur l'objectif bien. Ça est bien clair, il est bien déterminé, il est bien clair, ni dans sa dimouna, sur la tête qui l'est pérodé. Donc, il connaît qui, si il cause mentir à ce là, sa punition qui l'est pour gagner dans le delà là. Il prend une punition qui est bien dure, qui est bien sévère. Tandis que nous avons ben mounafik. Ben mounafik, je tout connais que je suis venu, je suis présent tout cas des excuses à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et non même qui finit présent ben excuse, comment nous dire, qui est bien bien banal. Mais et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit accepter ça. Qui fait parce qu'il finit qui dit dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Kab li connaît qui la vérité dit, parfois dit amir. Mais seulement son fruit, son résultat, son outcome, il dit. Mais tandis que mensonge, commencement, il paraît doux. Mais c'est moi, tous les temps sur la fin, il finit amer tous les temps. Donc, lui, il comprend. Un musulman, il vient comprendre ce concept-là. Ça veut dire, un musulman, premier temps, il cause vrai, il est véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si arrivé, même, il finit fauté, comment nous dire, il est bien cause vrai. Ça veut dire, il assume conséquence qui peut arriver pour errer à qu'il finit fait, qu'il finit fauté. Et un musulman, il vient pas pire qui, quand il finit fauté, comment nous dire, il n'a pas alors qu'à appliquer le c'est-à-dire qu'il vient accepter la punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, il y a aux parents, il y a des histoires d'un sahaba qui, il y a des histoires qui, il y a des
l'équipement de Katib, l'équipement d'écrivain, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu fais un crime, ça veut dire que tu appliques Hadouli. Donc là, nous trouvons sa différence, un contraste là, entre sa Sahaba là, avec un petit des grands Sahaba de toute l'époque. Parce qu'il y a un animé mortel. Ça n'a pas été accepté pour payer conséquences. Il n'est pas accepté pour payer ses conséquences. Quand il n'est pas accepté pour payer ses conséquences, qu'il finit bien, il quitte Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un écrivain pourtant. Ça veut dire, comment nous dire, Coran, tu peux dire jusqu'à Kayamat, dans ce kabar, tu peux gagner sa sawab là. Mais c'est moi qui ai décidé pour faire, il finit avec l'Empire romain, l'Empire romain, il finit à cacher tes cours là-bas, il finit une tête, il finit sans religion, et quand il finit mot, la terre finit, reset lui, et il pourrait gagner l'anad jusqu'à Kriya. Mais tandis, qui lit, car il y a une conséquence. Qui ça? Ce conséquence, ce difficulté, il bouche au terme on est. Ça veut dire quand tu peux payer conséquence pour errer à qui tu finis faire. Ça veut dire qu'il finit payer conséquence ça pendant combien? Pendant 50 jours. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala finit accepter ce toba. Et elle nous affirme que parfois quand un djimoun n'y fait errer, souvent djimoun dit, hey, mais qui djimoun peut dire? Un musulman, jamais ce gros traka ben djimoun ça. Qui djimoun peut dire? Un musulman, tout le temps qui traka qui lui gagne, c'est. Qui compte vous parler Zoukaïma, comme vous parlez devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui compte vous parler là? Ça, c'est grand tracas un musulman. Et Kab, ça même qui finit gagner. Et il finit dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je suis capable de dire, comment dire, d'une façon, il embête Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous ne connaissez pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, type dévoilement. Donc, Allah ta'ala, il mentionne dans le Coran concernant ce ben événement. Il y a Ayyuhaladina Aman Takullah wa Kunu ma'as-sadiqin, au ben qui est na iman. Bantena iman, deuxième, Pia Allah, troisième, vin parmi ban, vérité. Allah Ta'ala mentionne ça dans Surah Toba, ayat 119. Maintenant, tu as un hadith qui pas de bon concernant Sud. Ça, ce là, comparé avec Ben Mounafik. Ben Mounafik, un autre contraste entre Kab, avec un Sahaba qui est sincère, et Ben Mounafik. Ben Mounafik, je termine, comment dire, ben, excuse plus banal qui n'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pardonne, il demande Allah ta'ala pardon pour Dieu. Mais c'est moi qui dis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il excuse une chose, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il excuse, comment dire, il suis là fini, mais je ne vais pas finir, aller correct, finir. Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Dieu de la main Allah ta'ala, si je peux cause menti. Et maintenant, la fille, je ne sais pas, je connais, à l'intérieur, il quitte maintenant, ça, ben mon affaire là, je peux cause menti, je finis un vent, ben prétexte, pour ne pas la guerre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire, pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire, quand nous pouvons faire, ben ayat Quran qui est à la fin des 5 consonants sur la Torah, nous pouvons apprendre qui, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il peut prendre une action sévère contre le Zoukaïba. Donc ça, il peut appeler ce problème. Et une fois, nous n'avons pas de grand concernant véridique. Dans l'époque où il y a l'Orhan, il envoie une lettre à Aïcha, c'est-à-dire Madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était le calife de cette époque-là. Il peut dire à Aïcha radiallahu conseille-moi. C'est-à-dire en tant qu'il y a un calife, Aïcha pour lui-même Umul Mu'minin, c'est-à-dire meilleur des croyants, sa haditha, il est rapporté par Ahmed, par Ibn Hibban, par Tirmidhi, Aïcha radiallahu écrit et répondit, il dit Man il temasa, ridallah, bisakhatin nas. Radiallahu anhu. Aïcha radiallahu anhu, j'ai dit comme ça, c'est lui qui peut chercher satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement même quand on peut avoir satisfaction à Allah ta'ala, tout le temps quand on peut faire une action, je ne suis pas pour content. Il y a des gens qui ne font pas en colère. Il veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut satisfaire avec ça, je ne suis pas pour content. Et même Allah ta'ala peut faire. Commencement, on va dire que tu peux faire une certaine action, tu n'es pas satisfait avec toi. Je connais, dis-moi quand nous pouvons dire, dis-moi tous les temps, j'ai de l'attitude descendue. Nous avons le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons sa première phase, toujours nous pouvons mettre un contrat sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es dans Makkah, comment dire, le type black sheep dans Makkah, c'est-à-dire tout le monde pas content, je peux mettre tout qui a été blâme, tout qui a été sauce, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est moi, quand nous trouvons que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient de Medina, quand après la guerre Bad, la guerre Uhud, vini même jusqu'à conquête des Marques, nous trouvons tout le monde in flip. Ça veut dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui se plie par contre, nous trouvons en général la masse la nette, fin accepter. Donc, à chaque fois, il y a des comme ça,
Allah Ta'ala pour faire ben djibun contente pas devant. Si tu peux faire travail à cause Allah Ta'ala, tout ce qu'on appelle ikhlas niya. Ça veut dire sens tout quelque chose qui m'ont fait une action sincèrement juste pour faire Allah Subhanahu wa Ta'ala plaisir, moi pas cacher tête avec djibun. Pour vivre ce qui m'ont fait faire, il après les pour plaire Allah Ta'ala sur satisfaction li par rapport à din islam ce qui m'a prouvé et li par rapport à Coran et hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit tant qu'il dit astir. Il dit celui qui peut faire ben action pour faire du monde plaisir. Ça veut dire chez tout le monde, par exemple, nous avons beaucoup de politiciens, ou soit même ben président, nous avons beaucoup de ben du monde qui est en position dans la société. Souvent, du monde, mais qui du monde pour dire? Ou soit les caractères, comment dire, mon position qui parle, mais si moi pour faire, ah, du monde pas pour content, c'est pas pour votement, etc. Non, un du monde n'est pas pense comme ça. Tant qu'il a cherché, c'est lui qui fait ben, il fait satisfaction ben du monde même au détriment on va dire coller à Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est-à-dire d'une façon comme on peut faire ben du monde plaisir même comme on peut faire ça Allah Subhanahu wa Ta'ala pour en coller Allah Ta'ala pour en coller avec lui et Allah Ta'ala pour faire ben du monde pour devant en coller avec lui, c'est-à-dire du monde là sur l'intention qui est là ça pas pour profiter lui non nous bougeons un autre hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam alaykoum bis sirr qui zut ina sirr dans eux, fasir yahdi il albir ou albir yahdi il aljanna. Donc, sir li pour amener eux vers la piété et piété li pour amener eux vers paradis. Et Ndimoun, tant qu'il peut causer, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fahoua, Rasulullah sallam, hatta yuktab rindallahi siddiqan. Jusqu'à ce que Ndimoun là, il peut être écrit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui Ndimoun là, il y a Ndimoun véridique. Donc, nous mourons dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous valer et qui nous inculque dans nous. Donc là, il faut nous comprendre une affaire. Quand nous pouvons apprendre le sirah, c'est nous ne pouvons pas raconter un ben fax, un ben quelque chose qui finit arriver dans l'histoire. Allah Ta'ala, il finit enregistrer. Nous dit que le plus grand livre sirah, c'est le Coran. Deuxième plus grand livre sirah, c'est le Hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça dit la même qui nous base ça. Ça veut dire que quand nous racontons le sirah, c'est pour nous apprendre qui est la leçon qui m'a tiré, qui est la valeur morale que je mets en pratique dans moi-même. Et normalement, le Coran, qui le fait, il transforme le monde. Il transforme sur les cœurs, il transforme sur l'esprit, il transforme sur le mindset, il transforme sur la façon de penser, la façon qui guide qui tue dans quelle direction. Il transforme sur la moralité, il transforme sur la manière. Ça veut dire que tout ça mène quelque chose, le Coran a une chance de nous mettre complètement. Et l'état de Bougueté, ben arabe comme en société, nous trouvons qu'avant, qui était jahili à société, mais c'est moi, quand je finis le Coran, je finis mettre dans eux, ça finit descendre dans eux les kéas, nourul iman, la lumière des imans, finit descendre au plus profond qu'il y a dans eux les kéas, ça finit transformer eux. Et quand finit transformer eux, qui est arrivé, je finis ben meilleur du monde qu'il y a dans sa oumat là, c'est-à-dire ben sahaba, comme dans une autre radiallahu anhum, jamiran, et quand nous Bougueté, c'est-à-dire tout ben du monde qui finit. Trabdin, plus faux, ça veut dire surtout nous pouvons ben savant, nous pouvons ben nom qui veut dire qu'il y a de nous la bouche, c'est par exemple Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, etc. etc. Nous avons la paix, salut, bénédiction, nous avons un grand imam là qui a la mettre la lumière dans notre cabane, qui fait parce que je t'en apprends, livre Allah subhanahu wa ta'ala, je finis éduque nous avec ça. Donc là, l'autre leçon que nous tirons à ce terme, c'est beaucoup du monde, jour du jour, nous par contre, valer un l'état islamique, une société, l'islam, comment il fonctionne. Ça veut dire, si on va déjà faire un restaurant avec Dine, d'ailleurs, nous avons un khilafa qui nous a écrasé en l'année, ça veut dire un calife qui nous tient là, c'est là environ l'année 1925. Et avant, nous avons tout qui va dire, ben, bien, il a commencé à commander collateral damage. Aujourd'hui, je préfère d'avoir le nom, ce qu'on appelle nationaliste. Donc, nous, ben musulmans, nous croyons dans un l'état. L'état islamique. D'ailleurs, l'état nous bouge quand Nations Unies s'est formé, nous bouge une résolution qui tient là. Tous les temps, tient là l'Empire Ottoman premier. Parce qu'il y a un petit grand pays qui tient là avant. Nous trouvons l'Empire Ottoman premier. Après ça, l'état nous bouge une résolution. Je gagne l'état des grandes Nations Unies sur le site. Il y a une résolution, une première résolution qui va dire maintenant je finis signé. Quand je vous trouve, je vais mettre l'Empire Ottoman premier. Après ça, tout même les autres pays commencent à descendre. Je vais vous dire qui calcule ça. Deuxième, quand nous sommes dans un seul pays, c'est-à-dire tout est en bas, un seul calife, nous vous trouvons que si vous posez une question, vous allez comprendre que un pays aujourd'hui qui a toutes les ressources qui n'ont pas existé. La Chine a une certaine partie de ressources qui le pays n'a, la Russie n'a l'autre, l'Amérique n'a l'autre, l'Europe n'a l'autre. Mais quand il y a l'Empire d'Islam, c'est-à-dire quand nous cause l'Islam, c'est un point de pays, Algérie, qui ressources Algérie n'a. Nous venons même, je ne sais pas, Maroc,
Tunisie, nous venons même l'Égypte, nous venons la Syrie, Jordanie, Palestine, nous venons l'Arabie, nous venons Yémen, Oman, nous venons même, nous gagnons Iran, Irak, nous venons même, nous gagnons l'Inde, nous gagnons Pakistan, Cambodge, la Chine, tout ça, en bas, un pays islamique, ça veut dire, imagine, quand on dit l'économie, là, tu n'as tout. Le type de l'économie, puis risqué. Donc, quand on, ça, c'est barakat quand nous avons un État islamique, ça peut être. Donc, un pays islamique, quand nous avons un gouvernement qui est bien solide, ça veut dire quand nous avons un gouvernement qui est bien solide, nous avons concernant law and order. Nous, là, nous retournons à l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait un musulman, qui est d'accord avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passe ben décret, ben la loi, etc. Je suis tout solidaire, je t'écoute Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passe certaines ben la loi concernant ben djimoun, qui fin commettre ben grand péché, haine. Ou bien déjà ben djimoun qui fin refuse pour pratique ben obligation Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans l'histoire que nous avons, c'est l'histoire que djihad, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait Irlande. L'annonce djihad, nous tout le monde a fait extraordinaire, c'est que tout le monde sahaba sont mobilisés, sont regroupés. Ça veut dire qu'on nous dit maintenant, sont regroupés. Si nous voulons un petit peu entier l'Arabie, Makkah, Madina, alentour de Madina, alentour de Makkah, tout le monde tribu qui est là, je finis avec un maximum de monde. Mais c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand le film mobilise sa quantité de monde là. Déjà, nous vous trouvons que, ça veut dire quand ça, l'individu là, l'État islamique là, quand nous prenons ben sanctions. Ça dit que pour être les poupées qu'il y est rejeté par société. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il passe sa décret là contre Kab, pendant 150 jours là. Donc, là, qu'il est arrivé, nous vous trouvons qui est Dimouna, les poupées pour faire péché ouvertement. C'est-à-dire l'avantage d'une société islamique. C'est-à-dire Dimouna, les poupées pour faire ben péché ouvertement. Et les poupées, deuxième affaire, deuxième avantage qu'il a, c'est quand les poupées, ça va être, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait social boycott envers Kab. Ça permet lui pour repentir, retourner envers Allah subhanahu wa ta'ala et faire son iman vin plus faux. Il fait ça dit mouna, retourne la vérité. Mais tandis que dans un pays côté dans la minorité islamique, il mourra la loi n'est pas appliquée. Ça veut dire là finalement qu'arrivé, nous voulons que la société a ligaté. Parce que qui fait peine la loi, c'est la loi qui était là, c'est une loi correctionnelle. Que les dresse à l'individu là, les corrige. On dit une mauvaise manière qui n'est pas pour refaire ça, et d'ailleurs nous dans la vie car quand il finit dire comment qu'ils jamais ne pourraient faire ça encore, et les regretter même dans ce dernier jour quand il peut raconter qui les regretter sa action qui définit fait là. Donc ça, quatrième, c'est nous n'a une obéissance absolue envers un amir. Ça veut dire nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer, c'est un leader bien charismatique, mais il a un bon, un leadership extraordinaire. Parce que tout le monde, d'une façon, comment dire, c'est un monde qui va déjà venir un beau leadership, il va apprendre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons qui, en général, tout musulman, je suis obéi à lui, je suis solidaire avec lui, je suis coopéré avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire, l'État nous trouve la loi là, il est solide, elle a la loi qui est bien disciplinée, nous trouvons qui, même qui n'est pas content, lui, nous trouvons. Pourtant, il y a même un affaire qui vient de sortir ensemble. Je ne suis pas si content de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas si content pour sortir parce qu'il fait une longue distance. Deuxième, il finance la guerre, je te même. Troisième, ça veut dire, je peux aller la guerre, pas faire la guerre contre n'importe qui, ça veut dire la guerre contre Ben Romain, ça veut dire une cause, ben super power qui tient dans cette époque. Mais c'est même style, malgré, va dire, je suis minorité, en termes du monde, en termes nom, en termes d'hommes, mais je viens de sortir avec Rasoul sallallahu alayhi wassalam. Maintenant, nous voulons ça, l'obéissance à Amir, là, un affaire extraordinaire. Tout qui Abu Qatada dans la vie, Kab bin Malik, nous m'assurons qu'il s'est bien étant tu racontes sur l'histoire. Tiens, un miracle entre lui avec Abu Qatada. Abu Qatada, c'est comment dire, un cousin avec lui, un cousin de loin. L'étant il paye cause avec lui, nous trouvons qu'il se fidélité plus avec Amir. C'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Kab, c'est une famille avec lui, c'est un cousin avec lui. Mais c'est moi, Rasoul sallam, il n'y a pas cause avec Kab, il n'y a pas cause avec lui. Ça haine. Deuxième, nous vous trouvons même ben madame. Vous êtes une fidélité extraordinaire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle ben sahabia. C'est une leçon qui nous souhaite tirer. Et une leçon surtout pour ben madame. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le 40 jours, il finit dire, ça, trois qui pas fin écouter là, qui jouent madame, qui jouent. Quand je veux dire quitte, pas veut dire d'un talak, mais c'est moi, paresse avec jouent. Donc, quand il finit dire avec ce madame, comprend qui
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin donner un décret. C'est-à-dire, madame Nassi fin obéir à Rasoul. Il va dire, non, mon Mishéha, etc., etc. Non. Ben, la question fin fait quand Allah et ce prophète fin dire un petit chose, c'est, je suis solidaire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Imagine à tel point que madame là, il boycotte ce Mishé. À tel point que madame là, c'est-à-dire, il fin fait social boycott avec décret Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il y a dans la trois là, il y a qui. Je demande une demande permission avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Kabli le trouve son iman manifesté. De quelle façon? C'est qui l'imaginer, je suis capable, je pourtant, sur ma famille, je dis, allez, toi ici, comment tu madame, une demande permission, allez, demande permission, de si l'imaginer, non, si vous restez là, je peux aller aggraver ma situation. Ça veut dire qu'il y a une sincérité extraordinaire envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers Rasoul sallallahu alayhi wassalam. Maintenant, étant donné l'autre leçon que nous tirons, c'est fidélité, loyauté, ben sahaba envers Allah et son prophète. C'est-à-dire surtout Ka'b bin Malik, nous retrouvons qui, champagne dans cette histoire, qui tient les rois, Rassan, ben Rassan, Rassan, Sina. Ben là, fin, depuis la Syrie, les rois finent envoyé un net. Et qui finit faire? Les fins veillent, comment nous dire, sa location là, qui pour faire, pour mettre dissension dans rang ben musulman. Quand tu finis faire numéro 1, les finis senti qui ça, c'est un fitna. C'est à la tata, comment dire, pour augmenter slowly. Pour protéger son iman qui finit faire, du moment qu'il nous connaît, un petit chose d'un fitna, c'est nous éloigner avec sa fitna. Il n'y a pas fini même considérer ça quelque chose qui finit faire. Il finit retirer lui tranquille. Il finit prendre l'état, il finit mettre les brilles lui. Ça vient de la côte que tu peux faire, tu fais pour sur la cousine, etc. Dans fou, que tu as une fait pour fou, le film brille l'être là. Numéro 1, elle a fait extraordinaire, il n'est pas même ouvert l'être là. Et pourtant, les rois qui finissent, Sosa qui finit de les. Fin d'aller comprendre, venez nous pour honorer toi. Et fin d'envoyer un, comment dire, un dimon spécial pour venir pour venir d'aller ça qui est Sosa pour être bien gardé que nous. C'est un bien vite, bien sanité. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a des qualités fitna, imagine bien. Il y a un fitna, shahawat. Shahawat, ça veut dire un djinn, il y a un désir haram. Il y a une deuxième qualité fitna, c'est qu'il appelle fitna shubuhat. Fitna shubuhat, qui veut dire, ça veut dire un djinn, il peut venir mettre doute dans l'islam, islam, dans nous la tête. Il corrompt ça. Il corrompt nous, moralité. Il corrompt nous, iman. Donc, un musulman, tout le temps, il demande à Allah Ta'ala, protection. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre un doigt, qui peut demander. Plus souvent rapporté par Oum Salaman, il se dit Ya Muqallib al-Qulub, ô toi celui qui sens les cœurs, Thabit Qalbi ala dinik, ô Allah, ferme les cœurs, tini ferme, tous les temps, l'eau te dit. Donc ça va être l'expérience, si nous vous montrera depuis un jour, depuis petit, qui soit primaire, secondaire, même le vin de tertiaire, et un musulman, il vient de dire ça doit être jusqu'à l'imot. Lorsque vous allez ensemble, il se dit ça doit là. Maintenant, l'autre leçon que nous tirons à ce Pordo qui veut dire pour un croyant. Un de mes plus grands vertus qui un croyant dit atteint pour un niveau qui c'est qui dit gain pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il finit gain pardon Allah ta'ala, il dit Allah ta'ala content en lui, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait avec lui. Nous voudrons qui quand il finit gain pardon Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous il finit demande Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rasoul, est-ce que ça depuis ou bien vient depuis, il y a un straka. Depuis que ça n'a pas pardon, ma fille, il est content, c'est-à-dire, celui qui est tranquille, il y a une tranquillité. Il y a un pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman, tout le temps, il vient demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu tirer. Kabi demande pardon à Allah, Allah n'accepte ce pardon. Un musulman, tout le temps, il demande pardon à Allah ta'ala, Allah ta'ala, il peut accepter un djimoun ce pardon. Maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un prophète, ce behavior envers ben sahaba, envers ben mukminin, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est extra content ben sahaba. Malgré qu'il Kabi finit une erreur, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, content. Parce qu'il connaît un moukmin, il y a un djimoun qui est là, iman. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donne une bonne nouvelle quand il finit de dire ça, il dit comme ça, réjouir au cas concernant, depuis que tu finis, ton maman finit de ta naissance, meilleur jour qui est là pour toi. Ça veut dire que tu finis pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, là nous trouvons une affaire. Un djimoun, la première leçon que nous tirons là-dedans, c'est qu'un djimoun nous a demandé pardon Allah ta'ala. Deuxième, c'est l'attitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient dans l'espoir tout en qu'Allah ta'ala pour pardonner, il a ça, positive thinking là, il est pessimiste. Deuxième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un amour extraordinaire pour Ben Sahaba, malgré qu'il parfois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est dur. Par exemple, quand Kab finit faire erreur infamée, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il corrige, mais seulement quand
Allah subhanahu wa ta'ala finit pardonner, Rasul sallam finit content, c'est-à-dire, les talibés décrivent visage Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, Rasul sallam, nous ne pouvons pas comprendre, nous. Parce qu'il fait, nous pas vécu, nous pas témoin, ça, mais ben, ça va, qui est un témoin, ça, c'est nous, là. Quand vous rapportez, il dit, comprends, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, sauf qu'il est bien brillant, comme on dit, la lune, quand Rasul sallam, tu es content, tu as un sourire extraordinaire. Donc, Rasul sallam, qui disait, tout ben, ça, à base, tu connais ça. Et Rasul sallam, quand il peut annoncer ça, ça veut dire, il y en a deux contrastes. Premier, c'est quand, Kab, premier coup, l'État, il peut dire à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comprends, il y a Rasul sallam, mon parti n'a rien, mais c'est moi, mon fin fait erreur. Déjà, Rasul peut sourire avec lui, mais c'est moi, un sourire qui était en colère. Ça, premier coup. Deuxième coup, ça veut dire, quand il finit une guette, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve un autre qui a été sourire. Ça veut dire, ça. Souriait de contentement dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est là, qui manifestait le visage Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'autre côté, Ben Moukmin, je suis content qu'il se ferait gagner pardon. Ben Moukmin, je suis content qu'il se ferait gagner pardon. C'est-à-dire, une mauvaise mentalité qui nous est là, ou soit une mentalité mounafique. Mounafique qui était content quand son frère, pareil ici. Mounafique, il est content quand son frère tombe dans le trou. Mounafique, il est pareil comme un banane, tu peux dire, quand je peux dire, quand je parle. Quand maintenant tu peux sortir par le tabou, déjà, quand tu vas dire, ben musulman, c'est pas gain fait, je te manger, etc. Je ne suis pas content de la guerre, je ne suis pas content de la guerre, etc. Ça veut dire, je te mets toute qualité vilain, tâche, le jeu de ben frère, ou salma. Donc là, les bonnes compagnies à faire, ça, c'est pas caractéristique d'un musulman, c'est caractéristique d'un enfant. Ça veut dire, là, moi, vous avez montré un enfant, ou ça, même moi, un musulman, vous avez en prendre. C'est même caractéristique d'un musulman, là, vous avez tiré dans moi, c'est moi. Déjà, de l'autre côté, on a même caractéristique d'un moukminin. Et Allah Ta'ala, il mentionne dans le Coran dans surah Hashar, « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ » Ben qui vient après, tous les temps je demande pardon pour ce ben frère, c'est-à-dire qui tient avant ce, c'est-à-dire il y a allé même jusqu'à Kayamat ça. Nous demande tout, nous demande pardon pour nos frères, c'est-à-dire nos frères peut-être façon, parfois ils peuvent faire erreur, ils peuvent fauter. Un musulman tout le temps il demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour lui qui est lui content qui va dire pareil comme lui content qu'Allah t'a content lui il content qu'Allah t'a content son frère lui content qu'Allah t'a pardonné lui content qu'Allah t'a pardonné son frère lui content qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui content qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui satisfait avec son frère. Maintenant quand un musulman lui fin traverse un test, il y a un moment difficile sur la vie, après ça Allah subhanahu wa ta'ala comment dire un seul coup il y a ce qu'on appelle faraj. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fin élève sa bala, sa test, la loli. Il recommande qu'il est capable de faire. Premier, il est capable de faire, ça veut dire tout choukr. Ça veut dire qu'il fait un sisda, il remercie Allah ta'ala. Donc là, sa sisda, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire qu'il s'agit d'un ouazou, ça veut dire tout choukr. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, comment il fait une guerre, il s'en ouvre la première affaire, il fait un sisda, oh Allah, mon remercie toi. Ça aide. Deuxième, c'est l'idon sadaqa. L'idon sadaqa qui veut dire, ça veut dire, sa émotion qui tient là, les films ingé, Rasul Sassam, j'ai compris, Rasul Sassam, tout me dit bien dans Fils Abilila. Et Rasul Sassam, j'ai compris, pas nécessaire de donner tout Fils Abilila qui te fait, c'est donner une partie. C'est-à-dire, on a parlé des affaires, c'est que quand un djimoun il fait un erreur, un djimoun quand il fait un erreur, c'est l'idon sadaqa. Nous prenons notre exemple encore, nous retournons dans, quand il a traité Hudaybiyah. Omar radiallahu anhu dit, ça veut dire nous pécose, nous retournons pas derrière pour nous force forward. Ça veut dire nous retournons. Alors hier quand il a traité Hudaybiyah, quand Ben Sahab a participé à accepter pour céder avec Ben Kafir, Zis Rasul Sallam tu peux céder et finalement Rasul Sallam n'a pas cédé. Quand Rasul Sallam a cédé l'Amir, les autres filles n'ont pas cédé pas derrière lui. Mais Omar radiallahu anhu dit qu'on est un petit peu faux avec Rasul Sallam. Ça veut dire est-ce qu'il nous parle musulmans, nous parle la vérité? Nous avons un risa, etc. Alors, ça nous fait une vie de tout cela affirmatif. Pas devant, lui dire, vous tenez tout ça, vous là. C'est-à-dire, quand il dit à l'époque, Omar al-Alain, dans l'époque qui lit le calife, c'est-à-dire, lit l'amir. Parce qu'il fait, parfois, quand tu es en bas, un dimoun, il est là-haut, toi, il peut gérer une situation, il y a quelque chose qui, toi, tu ne comprends pas quand tu es en bas. Maintenant, quand tu es pour venir là-haut, quand tu prouves ça, quelque chose, il est là, tu comprends. Donc, lui dire, je vais faire. Pour dire mon chagrin, mon petit cause faux et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mon chagrin, mon regret, tant qu'il dit ça. Il dit, pour m'espérer, il va dire Allah Ta'ala, il pardonne moi sa péché là, il expire. Il dit, pour m'expier sa péché là, ça veut dire là, nous n'avons pas de chose. Du tout qu'il a dans la vie, il y a un moment dans la vie qui nous fait une erreur. Comment pour expier un péché à ce dire? Premier, fait Toba, fait Estéophar.
Deuxième, on m'a regardé comme ça, mon d'une soeur d'accord. Troisième, j'ai mon fils Godben Rose en affil. Quatrième, j'ai comme ça, mon fils Godben Rose en affil, mon fils Fébène Namaz en affil. Et dernier, j'ai comme ça, mon fils Libé Ben Escamazni, un seul PCC. Mazni dit, on m'a regardé qui était dit. Il finit qu'il y a un petit paradis de la terre, mais c'est style, dès que moi, qui a été remoussé, il y a envers Zodban péché. Maintenant, ben les sons qui nous tirent encore dans la guerre tabou. Premier, ce qui nous appelle, nous avons une masse à la fikria. Nous avons ce qui nous appelle Imam al-Fadul, Alal Mafdul. Après, nous avons Imam al-Mafdul, Alal Fadul. Donc, qui veut dire ça? Les conditions pour faire imamat. Donc, nous avons un qui plie le Coran, qui veut dire qu'un djimoun pour lui faire imam. Qui condition il vient? Premier, il veut dire qu'on y a le Coran. Deuxième, les poubzins connaissent ce qu'on appelle ben ahkam, qui n'est pas dans le namaz. Et aussi ben, les autres conditions. Maintenant, est-ce que si on a un djimoun qui est inférieur, c'est-à-dire qu'on a un djimoun qui est plus connu, on a un djimoun. Donc, premier, on a la loi générale. La loi générale qui était, c'est sa djimoun qui n'a plus connaissance, là, qui est plus connu ahkam, namaz, etc. C'est lui qui est supposé normalement, généralement, lui faire imam. C'est la première la loi. Deuxième, astéa. Si arrivé à ce dire, il est arrivé qui un djimoun li il y a moins knowledge. Mais ce n'est pas fini, al de l'avant, il finit faire imam. Est-ce qu'il y permet? Chaque chose, il y permet. Donc, dans la guerre à bouc, tu arrives dans une situation quand Rasoul Sassam, il arrivait pour faire cela. Ben, ça va, il finit à l'injot pour faire namaz. Je peux attendre Rasoul Sallallahu Sassam, attendre, il va faire venir. Finalement, je finis plus Kab. Abdurrahman bin Rob, sorry. Abdurrahman bin Rob pour faire imam. Et quand Abdurrahman il a fini à finir de boucler le moussala. Après ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit fini. Il finit faire salat. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit de l'autre côté continuer. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire salat. Pas de yali. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire namaz. Pas de yali. C'est-à-dire, d'une qui t'y plie, mérite pour faire namaz, c'est qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en général, dit comme ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en général, il peut faire. Exceptionnellement, qu'il est arrivé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit faire état. Mais c'est moi, quand il finit fini, les filles finissent déjà dit, continuent. C'est-à-dire, ils montrent nous qui parfois arrivent, même si il y a un djimoun qui moins chose, ils gagnent le droit de bouler le droit. Mais c'est moi, tout étant, la loi générale, c'est celui qui a plus de connaissances, c'est lui qui vient de bouler devant. Maintenant, déjà, nous voulons aller pour Othman Rabbi Allahouan. D'aller pour Othman Rabbi Allahouan, quand on a fait le siècle sur la case, on a fait un imam de haut, imam de Sahaba. Mais quand je finis pour imam de Médéo, ça veut dire que je mets un imam Khawarij, ben ça n'a pas besoin d'être Othman, je veux dire, ça veut dire que maintenant je mets un imam de haut, Othman n'a pas pu capable aussi de sur la case, ça veut dire qu'il a fait chaud, ben la finance est sur la case, ben ça veut dire que je mets qui te paye haut de nous l'eau pour faire. Othman, je veux dire que je mets un tel jamais là. Pourtant, imam Khawarij, pas devant. Et Othman qui finit de dire, c'est pour continuer à dire à Jamal. Maintenant, l'autre question. Qui nous tirait là-dedans, tiens, moi avec mes jabal, les fins demandent Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut retourner, c'est-à-dire depuis Tabouk à Madina, les peut demander concernant, il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une action qui peut faire un djimoun rentre dans le paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en premier, c'est Shahada la ilaha illallah, donc ça même plus grande action qu'il y a. Kalima la ilaha illallah, puis il y a plus grande action qui ça, après ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait namaz, il donne la charité et il fait djihad. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam maintenant, dans sa même jour qu'il est resté dans ta boucle, il fait namaz qas avec jam. Donc qas qui veut dire, quand djimoun est sorti de voyage, il est capable de diminuer namaz. Ça veut dire, par exemple, un namaz qui a 4 rakat, comme Zohar, il fait des rakat, comme Asar, il fait des rakat, comme namaz Isha, il fait des rakat. Et aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait jam. Jam qui veut dire, nous combinons des namas, ça nous donne un seul azan, nous donne des iqamas. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un azan, tu peux faire un namaz zohar, des rakat. Comme un namaz zohar est fini, tu peux faire un namaz asar en place. Ça veut dire, pendant 20 jours que tu peux rester dans ta boucle là, pendant 20 voyages aussi. Et aussi, tu peux faire un namaz maghrib avec Isha ensemble. Donc là, nous ne pouvons pas faire ce qu'on appelle ta'khir ou bien ta'adil, qui veut dire ça? Ça veut dire, dans l'air qu'il y a, point depuis maghrib, il rentre jusqu'à un namaz Isha, soit nous faire des tardis, c'est-à-dire nous faire des bonnets d'aller au Maghrib, nous faire trois Maghrib avec des échats à ce tir-là, ou bien nous ne pouvons pas faire des dentors, ça veut dire nous faire Namaz Maghrib, d'aller au Namaz Echa, et Namaz Echa des rakat. C'est-à-dire dans le voyage, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est même quelque chose qui peut faire.
Maintenant, dans sa cas, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand hadith, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un musulman n'est pas gagnera pas cause avec son frère pendant 3 jours. Donc ça, c'est la loi générale. Maintenant, nous avons la loi exception. La loi exception qui était, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand nous prenons un amir dans un état islamique, que chef, amirul mu'minin, lui donne l'autre qui, va dire, pas cause avec Benjimoun. Il y a certaines bonnes choses qui sont capables d'une certaine catégorie. Par exemple, dans l'histoire cap, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Fifabana boycotte lui pendant 50 jours. Donc là, exceptionnellement, nous gagnons droit. Là, exceptionnellement, nous gagnons droit. C'est-à-dire, là, ça hadith qui, pendant 3 jours, là, n'est pas applicable dans sa situation. L'autre chose, l'autre leçon qui nous tirait encore, c'est qui un leader, un amir, concernant ben, le secret d'État, quand il trouve important pour lui informer, ben, il vient vraiment informer. Et quand il trouve important pour lui pas informer, il pas informer. L'exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand il peut faire djihad, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, souvent il participe à Banna. C'est-à-dire qu'il trouve important pour informer Banna, capable d'un espion ou soit capable d'un. Parfois, comme on dit, il y a un slip of the tongue. Parfois, un frère, quand il finit de causer, arrivé, ça finit de sable sur la bouche, fin, sorti. C'est-à-dire en général, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut sortir, il peut faire djihad, il participe à informer Banna. Mais c'est un informer Banna qui prend une expédition pour aller devant. Les Yabana préposent. Et pas si on a une longue expédition, non rien. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est encore inspiré dans le sud, il commence à faire dans les nœuds. Après, il divert, il descend dans le sud. Ou bien quand il parle dans les nœuds, il saute aussi dans le sud. Après ça, il divert, il y a dans les nœuds. Mais concernant, par exemple, pour la guerre Tabouk, là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça, parce qu'il y a une longue préparation, deuxième, une longue distance, troisième, l'armée qui se peut faire face, ni beaucoup. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve qu'il est important pour les disclose, ni informe Bana. Ça veut dire contre qui s'en a fait la guerre et qui se peut le faire. Donc à ce moment-là, là devine important. L'autre leçon qui nous tirait encore, c'est qui quand ce qui nous disait un Erlan ou le Jihad, quand Amir ou le Moukmini finit faire Erlan pour aller par la guerre, il devine obligatoire le tout du monde pour sortir pour être à la guerre. Pareil comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire ça. Annonce là, et deuxième, quand il finit faire une annonce à Stéa, Jihad n'est pas déjà sorti par Nas, il est capable, pas mal. Maintenant, chaque fois que je mentionne Jihad Bil-Rim, pour proposer la connaissance, donc il n'est pas un, quand on dit, il n'est pas ce plus grand niveau, c'est qu'un démon est sorti avec Binafsihi ou Amalihi, il est sorti avec ce Lozan et avec ce Nafs. L'autre chose encore qui nous a là-dedans, c'est qui un djimoun qui n'a pas la capacité pour participer à la guerre pour une raison qui est valable, ça veut dire l'excusable d'après Sharia. L'excusable d'après Sharia. Et Rasoul sallallahu alayhi maintenant, nous avons un djimoun qui, parfois, je préfère ben, les autres travails, je peux gagner même récompense avec ben Mujahid. Par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que. Comment il finit retourner, il finit assis au mimbar, parmi les premières affaires qu'il finit, il y a un abandon, il ne finit pas participer, mais c'est moi qui finis gagner quand c'est récompense. Donc, par exemple, nous avons Ali Radiallahu anhu qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est gouverneur, Medina. Et nous avons, ça veut dire que sa fonction qu'il peut faire là, parfois, il est primordial. Nous ne sommes pas capables de prendre tout le monde ici, nous avons, par exemple, un djinn misère, ça veut dire qu'il y a un djinn malade, il y a une madame, il y a des enfants, nous avons assuré de sécurité. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, concernant la guerre Tabouk, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui Mohammed ibn Maslama, de Medina, en cours. C'est-à-dire pour les guides, il y a des affaires, des musulmans. Il y a quelques ben sahaba qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finit quitte à l'oeil. Et d'ailleurs, quand nous pouvons, dans la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons toute une expédition qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit, tout en nous trouvons qu'il finit quitte un petit groupe sahaba. C'est-à-dire pour faire qu'on les a finit changer à tous les rôles. Donc, bon, ce qu'on appelle ben post-clé. Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam premier, nous pouvons gouverner à l'endroit là. Parmi nous pouvons imam masjid. Nous trouvons ça même fonctionnel qui souvent, on va dire, dans chaque ben, expédition qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux sortir, tu peux aller pendant plusieurs jours, il peut mettre un quelqu'un qui gouverne Medina, et ça, il ne va pas mettre un djimoun fixe, comme on dit, tous les temps quand nous pouvons aller, c'est toi qui fais gouverner, non. Nous trouvons qu'il est sans être à tout déroulé dans chacun de ceux, il traîne maintenant, en tant qu'on appelle ça, train the leader. Ça veut dire, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle, elle doit te faire gouverner. L'autre coup, elle le fait gouverner. Ça veut dire, on trouve ça parfois, il finit Othman, Rasoul, parfois, il finit Ali, parfois, tu n'as même les autres dans le Sahaba. Et même, nous trouvons, on va dire, post-imamat, c'est lui qui peut remplacer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le masjid
Eh bah oui, et Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons encore, nous pourrons finir avec Ben Nesson Kinan, Ben Ayakouan, aussi vous faire, Subhanallah, Bihamdi, Subhanallah, Bihamdika, Nashadu Allah, Ilah, 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 Ilah,